Alors ici, on se situe dans la cour herborée de l'école Victor Hugo. L'école maternelle est en charpente bois. C'est une construction en fer à cheval avec un espace intérieur où on va réaliser un joli jardin. Le groupe scolaire Victor Hugo, c'est aujourd'hui une école maternelle avec 5 classes, une école élémentaire de 20 classes, un périscolaire qui aura 3 salles d'activité, un grand réfectoire. Et on a également une salle d'activité qui pourra être ouverte au quartier et qui peut vraiment fonctionner de façon indépendante par rapport au groupe scolaire. Le chantier Wolf, c'est une école primaire qui était entièrement enherbée. Dans ces deux écoles, on met en place des solutions qui sont basées sur la nature. Donc on cherche vraiment à végétaliser les surfaces. Donc soit on le fait à l'aide de revêtements minéraux, des pavés drainants, ou alors des surfaces végétalisées qui vont permettre de lutter contre les îlots de chaleur et aussi de permettre à l'eau de s'infiltrer au plus près de là où elle tombe. L'avantage pour les enfants dans ces nouvelles écoles nature, c'est qu'il y a des groupes d'élèves qui pourront faire des cours dans des espaces verts ou des espaces aménagés, comme ici dans l'école Wolf, où il y aura un deck à deux niveaux où une classe entière pourra donc s'asseoir et écouter la maîtresse. Ces aménagements de cours résilientes ou cours d'école nature sont possibles grâce à nos partenaires financiers. Alors d'une part, la région Grand Est, l'agence de Lorrain-Meuse et puis le CIVOM de l'agglomération mulhousienne. Pour Wolf et Stimsy, tout sera prêt pour l'arrivée des enfants en septembre 2023. Donc là, on est sur le site d'un des deux groupes scolaires qui seront livrés en même temps, c'est-à-dire à l'horizon septembre 2024. On est sur le site Camus. La particularité de ce projet, c'est de réhabiliter un bâtiment existant et on vient y construire une extension pour composer l'ensemble du programme de l'école tel qu'il a été défini. On a fait des concours d'architecture pour chacun des groupes scolaires avec des architectes différents et qui nous ont proposé plusieurs solutions différentes en termes de construction. Nous, les axes principaux qu'on a demandé, c'est évidemment d'être les plus proches, entre guillemets, du bas carbone. On travaille les cours d'école, notamment la végétalisation, l'infiltration de l'eau, les cours oasis, les espaces résilients pour éviter les îlots de chaleur, en même temps que le traitement évidemment des façades des bâtiments pour le meilleur confort thermique possible. J'espère que chacun et chacune avait passé de belles vacances reposantes. À tous ceux qui reprendront le chemin de l'école, je vous souhaite une très bonne rentrée et une très belle année scolaire.